Moi j'en ai marre un peu qu'on parle des haters, on va parler des kiffeurs un peu. Les gens qui aiment House, parce que ça va, j'ai plus de kiffeurs que de haters. Il y a beaucoup de gens qui t'envoient du love sur les réseaux. C'est ce qui fait que je suis pas disque de diamant. Mais il y a beaucoup de gens qui t'envoient du love, du coup on va parler un peu d'eux et puis t'amener à réagir s'il y a des réactions qui te font kiffer ou qui te font marrer. D'accord, excusez-moi. Le premier c'est dans le clip de Monet, Zinedine 420 qui a été perspicace, qui a dit: c'est la première fois que House ne fume pas dans ses clips. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, j'ai décidé de plus trop. Alors j'ai tourné un clip, là je fume dedans, tu vois. Ouais. Mais j'ai décidé de plus trop. Parce que d'une, c'était pas mon compte commerce. De deux, parce que j'ai une petite sœur de 14-15 ans et en fait j'ai compris qu'elle s'en fout. Tu vois. Et mon père, j'ai jamais fumé devant lui. Ouais. Il regarde mes clips, je fume. C'est-à-dire que je peux en sortir des millions de raisons, tu vois. J'ai décidé de plus trop m'afficher comme si j'étais un drogué ou comme si. Donc c'est une démarche vraiment volontaire et étudiée. C'est une démarche professionnelle surtout. C'est réfléchi. Ouais, vraiment. Sur le clip de Barrio et des petits comiques, c'est Couscous Crew qui nous dit: ouais. C'est qui la meuf du début? C'est pour un exposé en cours d'espagnol. Dans quel clip? Lui-même sur Barrio. Lui-même fait Maril. Ah ouais, il m'a eu. C'est une figurante de Paname. T'as son Snap? Non, je l'ai pas. C'est ce qu'il dit dans le commentaire. Non, il veut juste savoir c'est qui pour avoir un exposé en cours d'espagnol. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Non, j'ai pas son Snap. Sur le clip de La Provence, il y a Billia Rox, les pseudos sont pas faciles à dire, qui nous dit: House, on dirait un Mexicanos. C'est vrai, on me le dit un peu en ce moment. T'as bossé un peu la dégaine. J'ai bossé la dégaine, tu as vu, t'es ouf. Bon sang. Non, je rigole. Non, ouais, j'ai pas une tête de DZ, mon frère. J'ai pas une tête d'Algérien. Ça, c'est marrant, incroyable. Sur les commentaires YouTube, il y a toujours des mecs qui vont dire: cramé comme un Algérien. Qui est DZ? Ouais. Où sont les DZ? C'est toujours les premiers commentaires sur YouTube. Ouais, tant mieux, ça toujours. Et t'inquiète, ils sont d'Alger, tous les mecs qui commentent. Mi-homme, mi-drapeau. Si c'est... Ouais. Ah, elle est pas mal celle-là. Ouais, elle est pas mal celle-là, voilà. Il y a des fans de la première heure aussi sur La Provence. Il y a Dorian Guns qui nous dit: voilà, on retrouve Rousse qui faisait du bon son à l'ancienne, comme on fait les choses, pain in full ou devant le dé. Voilà, pas trop l'autotune, des bonnes paroles, je valide. Lourd, ah, c'est un lourd commentaire. C'est une critique, ça, c'est lourd. Il a fait une attitude un peu poussée, tu vois. Là. C'est lourd, c'est trop gentil. Un vrai kiffer du début. Ouais. Sur Twitter maintenant, il y a Ilian57i qui nous dit: si House ne fait pas disque d'or avec son album, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un gros problème d'achat de stream, hein. On non, dit je ça, rigole, je rigole, on dit rien. Je rigole, la famille, je rigole. Et enfin, sur Twitter, enfin, pour terminer, c'est Ricky Schladli qui lui fait une analyse musicale pertinente. House, il a sorti la meilleure Zumba 2018, plus de concu, fin. Sur quel morceau? Ah, il a pas précisé le morceau. Ça parle dans le noir. Je pense que ça parle de celui-ci. Ouais. Celui-ci. C'est vrai. Tu es d'accord, t'as fait une petite Zumba efficace parce qu'il en faut maintenant. Ouais, j'ai fait une Zumba qui me ressemble, tu vois. Midari et Mirai, tu vois. Tu vois le genre de quadrille ou pas? Ça reste toi. Ça reste trop moi. C'est de la Zumba, mais voilà. Tu sais, c'est une suite de A la Gustavo, un dernier épisode. Dans le noir, c'est une trilogie limite. Tu vois, c'est le prochain clip. Je l'ai limite fait exprès. Ouais, c'est ça. C'est le prochain clip. Je pense que c'est ça, c'est effectivement le prochain clip qui va sortir là dans 5-6 jours. Si. Cool. Bah écoute, merci pour tes réponses. Merci. Demain, on va parler des textes. On va faire House en 3 punchlines. On va parler un peu de ce que tu racontes dans tes textes. Ça veut dire que t'as étudié. Exactement, j'ai fait mes petits devoirs. C'est lourd. On en parlera demain. Et puis nous, on continue à écouter du rap jusqu'à 23h dans Urban Fresh. Et vous êtes sur Urban Hit.